C'est un livre qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur, Marcio et Leonora, dans un pays qui n'existe pas, un pays imaginaire, mais qui ressemble aux pays qui sont les nôtres, qui nous entourent aujourd'hui. C'est une fable, donc je n'ai pas voulu nommer spécifiquement le pays, je voulais que ça puisse marcher pour tout le monde, quel que soit l'endroit d'où on lit le texte. Et donc ce frère et cette sœur vivent dans une région très pauvre du pays. Les parents ne sont pas des êtres particulièrement aimants, ils sont même très durs avec eux, assez violents. Et les parents sont obligés de travailler énormément pour honorer des quotas. Ils doivent produire, en fait ce sont des petits paysans, ils doivent produire un certain nombre de quantités de céréales, de viande, etc. Et c'est un milieu assez hostile. Donc familialement, politiquement, il y a des coups d'État qui s'enchaînent et les régimes qui se mettent en place sont chaque fois pires que le précédent ou que les précédents. Et donc ce frère et cette sœur, dans ce contexte compliqué, n'ont comme alternative ou comme horizon d'espoir que cet amour qui est le leur. Un amour fusionnel, un amour incestueux. Et le livre va raconter plus particulièrement les 10 années qui vont vivre entre le moment où cet amour commence à naître au seuil de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, quand ils ont une 20aine d'années. Et tout commence pour eux le jour où leur père, que j'appelle Paps, en écho au bruit des gifles qu'il leur administre à répétition, à partir du moment où Paps va les découvrir entrelacés dans un fenil. À partir de ce moment-là, la sœur va aller vivre chez un oncle à quelques centaines de kilomètres de la ferme où ils vivent, et le frère va rester là-bas. Et puis ils vont se retrouver, et le livre raconte cette traversée des ombres, cette espèce de traversée des ombres, mais portée l'un et l'autre par une envie de se trouver réellement. Sur tous les plans, c'est-à-dire de s'affranchir de leur famille, de s'affranchir des régimes politiques oppressants et de trouver réellement leur propre autonomie, c'est-à-dire devenir pleinement eux-mêmes, y compris sur le plan de leur identité profonde et surtout même sexuelle. Il y a un jeu qui se crée, quoi, à partir du moment où ce sont des jumeaux et qui fusionnent, Leonora a tendance à se masculiniser et à l'inverse, Marcio, le frère, lui, devient de plus en plus fille, plus le livre avance. Et voilà, j'ai voulu essayer de montrer comment on pouvait traverser des ombres aujourd'hui, dans des époques où politiquement c'est très compliqué, on n'est pas tellement écouté par nos politiciens. Et j'essaie de montrer qu'il y a quand même encore aujourd'hui des raisons d'espérer. Ça part mal, ça part de façon... Il y a une forme de déterminisme. On se dit, à partir de la donne qui est la leur, on imagine difficilement que ça puisse aller vraiment bien pour eux. Or, il y a chez eux cette obsession de la joie qui est un symptôme de quelque chose qui va mal dans leur vie. Je crois qu'on est obsédé par la joie quand peut-être on ne la connaît pas intimement, personnellement et durablement. Et donc, eux, c'est leur credo. Et c'est pour ça qu'elles se répètent ça presque comme une forme de mantra, qu'elle peut accéder à une forme d'épanouissement personnel, et elle va commencer à comprendre ça dès le moment où elle rencontre et elle trouve pour la première fois de sa vie de la bienveillance chez son oncle Zio Pepino, dans le village où elle est exilée quand ils sont séparés, elle et son frère. Parce que je pense que ce qui se joue pour le moment, où qu'on regarde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, en Europe, il y a des mouvements qui sont en train de naître, où on sent que les populations, quelque part, n'en veulent plus de ces régimes politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est pour ça que dans le livre, ça commence sur un mode assez communiste, et puis on glisse vers un populisme de droite tout aussi détestable. Mais je voulais que ça fonctionne comme, oui, vraiment comme une fable où rien n'est figé, c'est-à-dire où on peut... déceler dans ce pays des choses qui nous rappellent notre époque, mais sans devoir suivre non plus de façon très précise. J'ai pensé beaucoup à Berlusconi en écrivant ce livre, quand il était au pouvoir, la manière dont beaucoup de choses ont changé en Italie, et particulièrement en Sardaigne, c'était un cadre qui m'a beaucoup inspiré pour le livre. Et je me suis dit que je voulais pas rentrer là-dedans, je voulais pas nommer les dictateurs
par un vrai prénom qu'on aurait pu connaître. Je voulais que ça reste beaucoup plus libre et créer du jeu. C'est-à-dire que le lecteur puisse rentrer là-dedans en se disant « Mais en fait, de qui est-ce qu'il est en train de parler ? De personne en particulier et de tout le monde en même temps. » C'était ça qui m'importait. Je voulais que le propos reste le plus ouvert possible. On était nés jumeaux. Pourtant, mon frère avait toujours été comme un aîné pour moi. Parce qu'il était le garçon et devait s'occuper des cheptels avec Paps, il partait le matin dans les vallées pleines de brume, où il n'y avait pas le moindre habitant, mais une forte présence de fleuves. Et, à la seule évocation de ces choses, moi qui n'en pouvais plus d'être enfermé, d'entendre Mams me reprendre de voler quand je rêvais au lieu de l'aider, que j'étais seul et que je rêvais, que je pensais à lui, à mon frère, mon ventre se craquelait d'envie. Je rêvais de m'enfuir avec eux et, comme eux, de toucher le ventre des bêtes, l'immensité, le ciel et les moissons et les sommets. Tous les deux, on était encombrants pour eux, et on l'avait toujours été, au point que Paps aurait préféré ne pas nous avoir et rester toute sa vie comme ça, avec Mams, qu'il rendait complètement dingue, avec ses hanches en montagne de massepain et ses seins lourds toujours luisants. Pour autant, je ne crois pas qu'il nous détestait, mais le seul fait de nous voir courir devant lui, et parfois simplement de nous entendre, il irritait à la puissance mille. Il mettait des coups de pied dans les chaises, cassait des vases, hurlait, puis se taillait pendant des heures, on n'a jamais su où. Pauvre Paps. De toutes ses forces, il haïssait notre président Desoju, au pouvoir depuis plus de 20 ans. C'est bien simple. Dès que Desoju parlait à la radio, Paps se cambrait dans le fauteuil de coin et se mettait à hurler, multipliant les noms d'oiseaux, crachant sa rage et sa détestation, puis se levant pour couper le poste en crachant un dernier juron. Et il avait raison, Paps, certainement, même si d'un autre côté, personne ne se plaignait de la situation, y compris lui. Depuis 20 ans, Desoju nous prenait 90% de nos recettes pour se faire construire des propriétés de luxe sur la côte. Des tas de gens se retrouvaient à dormir par terre comme des chiens verruqueux, mais tout ça nous semblait normal. On préfère oublier les choses qui font mal, oublier la façon violente dont on est, dont on meurt, dont on se sépare. On préfère ne rien dire et, tant qu'il nous reste un filet de souffle, faire l'autruche et vivre malgré tout. Comme tous les gens de la Abdourga, la région la plus reculée du pays, on avait une petite ferme avec des bêtes, une petite ferme crasseuse, un taudis, mais on ne se plaignait pas. Chaque jour, on se levait dans la lumière et on matait les fleuves qui partaient loin, le Bordougou, l'Irigoudou, les fleuves et les rivières où on se baignait depuis toujours. Puis le travail commençait. Mon frère les champs, moi le linge, lui les cheptels, moi le ménage, et ainsi de suite, jour après jour. Quand le boulot était fini, on tournait le dos à Paps et Mams et on gobait l'air frais, se liant à des troncs avec des lianes souples qu'on fumait par ailleurs, 100% sains et 100% malades. Vivant, on courait sans arrêt, tout le temps. Et comme il n'y avait pas la moindre ville dans le coin, on était comme vissés sur place. Mais on vivait. Voilà, notre vie s'appelait joie.